Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour automatique vraiment incroyable, voilà, qui est vraiment génial comme j'aime. Donc, je remercie Juan de m'avoir fait découvrir ce tour qui est vraiment excellent. Donc, vous montrez votre jeu à votre spectateur, vous faites un ruban et vous lui montrez que vous avez retourné à l'avance deux cartes ici. Donc, on verra la valeur de ces cartes après et surtout, on verra à quoi elles vont nous servir. Donc, le mieux, c'est de le faire à deux spectateurs. Chacun va devoir choisir une carte. Si vous avez un seul spectateur, il va devoir mémoriser deux cartes. Donc, premier spectateur, imaginons j'en ai deux. Vous lui dites, veuillez couper à la moitié du jeu à peu près et veuillez mémoriser la carte sur laquelle vous allez couper. Donc, il va mémoriser le 10 de pique. Premier spectateur, 10 de pique. Second spectateur, pareil, il va devoir couper un peu plus que la moitié du jeu. Vous lui dites les trois quarts à peu près. Et il va devoir mémoriser la carte, le 6 de cœur. Donc là, on ne sait pas du tout sur quelle carte arrive chaque spectateur. Donc je répète, premier spectateur 10 de pique, second spectateur 6 de cœur. Donc pendant que les spectateurs font ça, vous pouvez vous retourner. À partir de ce moment-là, vous pouvez leur faire face, puisque vous ne savez pas les cartes qui sont en dessous, hein. Vous récupérez le jeu du premier spectateur ici et le jeu du second spectateur. Et on repose tout ça sur les cartes qui étaient restées sur le tapis. Maintenant, je vais aller chercher les cartes que j'avais retournées. Donc, on va voir l'identité de ces cartes. J'avais retourné le 7 de cœur. Première carte. On va aller chercher la seconde carte que j'avais retournée, qui est le 10 de cœur ici. Et donc, si on fait le total de ces deux cartes, vous dites aux spectateurs combien ça fait. Ils vont vous dire 17. Vous dites bravo, c'est bien 10 et 7. Effectivement, ça fait 17. Mais ce qui serait assez fort, c'est que par exemple, là, je vais vous donner les cartes, monsieur. Premier spectateur, et vous allez compter 17 cartes. Et ce qui serait incroyable, c'est que votre carte soit en 17e position. Vous donnez le jeu au spectateur, il compte face cachée ou face visible comme il veut, 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous lui dites stop, attendez, veuillez me dire votre carte, il vous dit sa carte, et là on est bien sur la carte du spectateur, le 10 de pique. Vous demandez au premier spectateur de donner les cartes au second spectateur et vous lui dites, regardez, ce qui est incroyable, c'est que vous allez aussi également compter 17 et peut-être qu'on va arriver sur votre carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quelle était votre carte? Le 6 de cœur. On arrive bien sur la seconde carte sélectionnée par le spectateur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Donc si vous avez kiffé, et bien restez avec moi et on va passer à l'explication tout de suite. Donc pour l'explication de ce tour, vous prenez un jeu de 52 cartes complet. Vous prenez un 10 et un 7, n'importe quel index. Et ces deux cartes-là, vous allez devoir les positionner à une certaine position. Donc à partir de la face du jeu, vous prenez soit le 7 ou le 10, peu importe, ça marchera dans tous les cas. Vous allez la passer en 18e position à partir du dessous du jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous prenez n'importe quelle carte, laquelle des deux. Et vous mettez cette carte-là en 18e position et vous la retournez. Celle-ci, vous allez devoir la mettre en 17e position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc je répète, ça peut être un 7 ou un 10, peu importe. Donc voilà, vous avez fini votre setup. Vous pouvez commencer votre routine. Donc ouvertement, vous dites à vos deux spectateurs, voilà, j'ai un jeu de 52 cartes et comme vous voyez, j'ai retourné deux cartes face cachée. On verra l'identité de ces cartes plus tard et on verra à quoi elles vont nous servir. Ça va être nos cartes assistantes, nos cartes indicatrices. Vous pouvez le dire comme ça. Là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez dire au spectateur de couper où il veut. Donc il faut qu'il coupe au milieu du jeu entre ces deux cartes-là. Donc ça vous fait une sacrée marche quand même. D'accord? Si vous lui dites de couper au milieu du jeu, il n'y a pas de problème. À peu près au milieu du jeu, ici. Vous lui demandez de couper. Alors vous lui expliquez avant. Vous dites, voilà, vous allez couper, vous, monsieur le premier spectateur, au milieu. Vous allez couper ici, vous allez mémoriser la carte, vous allez déposer le jeu ici. Vous, monsieur le second spectateur, vous allez couper les trois quarts du jeu, un peu plus que la moitié. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il coupe après le 10 de cœur. Et pas avant. Hein. Donc en coupant un peu plus que la moitié, on est sûr qu'il coupe après le 10 de cœur. Et vous dites, monsieur, veuillez couper un peu plus que la moitié. Et pareil, vous allez mémoriser la carte en dessous et vous allez déposer votre paquet ici. Ok? Ceci fait, vous récupérez l'état. Vous vous retournez. Le premier spectateur s'exécute. Il coupe à peu près la moitié. Il mémorise le 3 de trèfle.
il pose. Second spectateur, il coupe un peu plus que la moitié. Il va mémoriser le 7 de trèfle. Donc 3 de trèfle, 7 de trèfle. Vous retournez et vous allez prendre d'abord le paquet de droite du premier spectateur. Et vous dites, on va déposer vos cartes, votre paquet ici. Et vous, monsieur, on va déposer le paquet par-dessus. Okay? Vous commencez par le premier spectateur, puis le second. Rien ne vous empêche de faire à ce moment-là une fausse coupe. Ensuite, on va regarder ensemble quelles étaient les deux cartes que j'avais retournées. Donc, vous faites ceci. Vous voyez votre première carte, vous la déposez et vous déposez les cartes à côté. Vous continuez. Donc, je ne sais pas exactement où est la seconde carte. Vous dites voilà, j'avais retourné le 10 de cœur et le 7 de cœur. Vous déposez le 7 de cœur et vous allez passer cette partie-là en dessous. Donc, moi, je vous conseille de déposer le 7 de cœur avec la main droite, ici, et tout de suite, vous la mettez en dessous. Là, vous récupérez les cartes et vous mettez par-dessus. Voilà. Donc, ça se fait tranquillement, il n'y a pas de geste suspect, on est clean. Là, vous dites au spectateur, j'avais choisi depuis le début, rappelez-vous, le 10 et le 7. Vous avez coupé où vous vouliez, je ne sais pas les cartes que vous avez choisies, l'un et l'autre. Si on additionne ces deux cartes, on tombe sur 17. Ce qui serait incroyable à partir de ce moment-là, c'est que je vous donne, vous, monsieur, premier spectateur, les cartes, et vous allez compter, face cachée ou face visible, 17 cartes. Premier spectateur s'exécute, il va compter 17 cartes et le second pareil et vous verrez qu'à chaque fois on va tomber sur la bonne carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 de trèfle, première carte du premier spectateur. Là vous demandez au premier spectateur de donner les cartes dans les mains du second spectateur et il va s'exécuter, il va compter également 17 cartes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 de trèfle, on est bon. On vient de trouver les deux cartes choisies par les spectateurs. Alors que je vous rappelle, ils avaient coupé vraiment où ils voulaient. Donc ça, c'est assez fort quand même. Et ce qui est fort, c'est que nous, on avait déjà retourné depuis le début ces deux cartes. On les a pas retournées pendant le tour. Vous voyez, on les avait bien retournées avant. Donc ça, c'est encore plus mystérieux. Donc très bon tour, merci encore Juan. Franchement, il est bon celui-là. Voilà, j'espère que vous allez aimer aussi. Je pense que oui. Donc c'est très facile à faire, vous avez vu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt.